Après l'annonce choc, la première sortie du roi d'Angleterre vient d'avoir lieu. Charles III a été aperçu en voiture avec sa femme, la reine Camilla, juste après avoir vu son fils, Harry, comme le rapporte la presse anglaise. La suite après la publicité, ce sont des images qui vont rapidement faire le tour de la planète et qui vont certainement rassurer les nombreux amoureux de la famille royale d'Angleterre. À la stupéfaction générale, le palais de Buckingham a fait une annonce choc dans la soirée du lundi 5 février, annonçant une bien triste nouvelle. Le roi Charles III est atteint d'une forme de cancer découverte durant son intervention chirurgicale pour une opération de la prostate la semaine dernière. Selon la BBC, il ne s'agirait pas d'un cancer de la prostate. Face à la maladie, le roi reste positif quant à son traitement et espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Une annonce qui a secoué les admirateurs de la famille royale, mais également les proches de Charles III. Beaucoup se sont d'ailleurs demandé si le prince Harry allait venir avec Meghan et leurs enfants Archie et Lilibet pour rendre visite au roi. Si c'est seul que le prince Harry est arrivé aujourd'hui à Londres, il a vu son père. Les deux hommes se sont retrouvés un peu moins d'une heure ensemble, rapporte la presse britannique, et ce fut la première fois en près de 16 mois, comme le souligne le tabloïd The Sun. Le frère du prince William s'est rendu dans la résidence londonienne de Clarence House pour y voir son père, avant que ce dernier ne quitte les lieux en voiture, accompagné de sa femme, Camilla Parker Bowles. Direction Buckingham Palace, puis leur résidence de Sandringham, une première sortie pour le roi Charles III qui a été immortalisé par les journalistes présents sur place. Les photos sont à retrouver dans le diaporama. Sur les clichés, on peut voir Charles III souriant et en forme, assis à côté de la reine Camilla. Une première apparition publique dans les rues de Londres qui est de nature à rassurer sur l'état de forme de l'homme de 75 ans. Le couple s'est rendu à Buckingham Palace, mais seulement pour quelques instants. Comme on a pu le voir en image, ils ont pris un hélicoptère et les informations en Angleterre indiquent qu'ils vont désormais se rendre dans leur résidence de Sandringham dans l'est de l'Angleterre. Une première apparition publique rassurante pour le roi Charles III. Alors que les révélations sur la possible origine de son cancer continuent de sortir dans la presse, le roi d'Angleterre semble avoir le moral au moment d'affronter la maladie. La suite après la publicité.